Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. That's the word. You guys ready? Oh, Thiago Silva. All right, let's go. Éditorialiste, j'apaise les passions que les autres attisent. Je suis garant d'un monde ancien et d'un espace démocratique. Je traite l'information quotidienne. Ne vous laissez pas endoctriner, je vous dévoile la version officielle. Pour que vous passiez votre temps à dépenser, ne vous fatiguez pas, nous vous dictons ce que vous devez penser. Nous forgeons un imaginaire collectif, mais nous restons bienveillants. Notre ambition est d'abord protectrice. Entre haute estime, modestie et mot d'esprit, j'écris le quotidien pour que vos plaies se cautérisent. Devoir de vérité, qu'on me pende si je mens. Je reste impartial et choisis mes mots méticuleusement. Mais attention, je ne dois pas commettre d'imprudence, car en effet, à tous les niveaux, j'exerce mes influences. Donc j'invite régulièrement dans ce contexte quelques spécialistes pour vulgariser ce monde complexe. Quelques savants qui nous expliquent pêle-mêle que ce monde est trop complexe pour que la plèbe comprenne par elle-même. Les économistes affirment que pour être honnête, nous devons faire des concessions pour éloigner le danger de la dette. Expert en communication, je fais vivre l'information pour des téléspectateurs toujours friands de sensations. Canal de vérité, support de la médiocrité. Je filme les désespérés au cœur de la réalité. Instantanéité sous un voile de baratin. Et je touche des patates depuis que je côtoie tout le gratin. J'écris tous les jours, passe mon week-end en Costa Brava. Et je ne cesse d'afficher ma subjectivité V comme en Costa Cravate. Je fais les réponses et les questions pour qui si nous restions les seuls qui connaissions la liberté d'expression. J'écris tous les jours, passe mon week-end en Costa Brava. Et je ne cesse d'afficher ma subjectivité TV comme on poste à cravate. Je fais les réponses et les questions pour qui si nous restions les seuls qui connaissions la liberté d'expression. Depuis mon investiture, pour ne pas qu'on me destitue, je sers les intérêts cupides de la main qui me rétribue. Depuis mon investiture, pour ne pas qu'on me destitue, je sers les intérêts cupides de la main qui me rétribue. Depuis mon investiture, pour ne pas qu'on me destitue, je sers les intérêts cupides de la main qui me rétribue. Depuis mon investiture, pour ne pas qu'on me destitue, je sers les intérêts cupides de la main qui me rétribue. Entre félicitations des pères, préméditation c'est clair, précipitation sévère, pas de vérification des faits, mes limitations désertes quand j'élimine l'action des faibles. Sollicitation des rêves, une belle imitation des règles. Pas de défaut dans mes interstices, la perfection est perceptible, la messe est dite. Le réel mis en perspective, ça nécessite une esthétique forgée depuis des décennies. Je crée le consensus afin que le débat soit guère sceptique. J'ai de la poigne et du leadership, car j'agis comme le bras armé d'une oligarchie. J'écris des romans délétères pour commander les nerfs, forger l'opinion publique et fomenter les guerres. Mes torrents, mes éclairs font la pluie et le beau temps. Avec mes mots, on emporte le vent à l'OTAN. Donc autant dire, je suis individualiste. Rends son